ça peut toujours aider, Lucas. Allez, à la veille de Noël, match de haut de tableau en Belgique élite entre Gravelines, Dunkerque et Pau. Eux qui ne se feront pas de cadeaux, hein, ça c'est une certitude. Aïe aïe pour son premier ballon. Et c'est par-dessus qu'il envoie en altitude. Exception, ça va trop vite pour Pau en ce début de match. Et un nouveau dunk pour le Marquis. Deux de suite. Ça fait un gros run. 8-0. Dribble dans le dos. Oh là, le cross. Il a éliminé un joueur. Le tir d'un mop. Exceptionnelle main droite. Oh, ce flotteur qui est parti dans les nuages du Nord. Dans les cieux. Onyangé. Encore en activité. Le spin move. Décidément, les artistes sont au rendez-vous ce soir. Il a passé le bras. Passe aveugle. Et Kachi près du cercle, c'est quasiment du 100%. Devant Endoy. Gros duel de français là. Onyangé qui prend quand même sa chance. Quel début de match pour les Lambernais. 5 secondes par contre, le chrono qui tourne. Et chez Coco, de nouveau, qui va pouvoir scorer ses premiers points. De nouveau, un joueur de l'élan. Un cabi idéalement. Caviar service premium là de Robat. 28 points marqués par les Lambernais, c'est énorme. Et l'interception. Jovan qui va pouvoir aller dunker. Quel démarrage. 30 points marqués dans un premier quart-temps. Et dominé. Et un Onyangé déjà en double figure. Et le ballon qui reste pas loin, 5 secondes. Le loup qui va devoir se lever. Ça semble tellement difficile pour l'instant de tenir face à ces Palois qui ont une réussite indécente. Une réussite insolente. Ils ont envie de changer la dynamique avec Bibitz qui se met en évidence. Quelle adresse. Et de 15. Quand on sait qu'il vient de battre son record de la saison à 28. On est entré dans la dernière minute de cette première mi-temps complètement folle. Morency sur les appuis. Le capitaine qui essaye d'emmener tout le monde avec lui. Surtout, il remercie Oleg Nitschak de lui avoir créé le boulevard. Abdou Endoy, ils 0-4. Ont vu le chrono. Effectivement, on est repassé à 0-4. Ça va être catch and shoot. Hein. Ça va déclencher de très loin. Brandon Taylor, il en a déjà mis. Hein. Cette saison, on en reste à 15 unités d'écart. Quelle performance de l'élan Bernet. La petite passe, Oleg Nitschak, c'est parfait. Et ça y est, Reed passe la barre des 20 points. Et Reed, surtout, très probablement, va exploser son compteur personnel. Taylor, au même endroit. Oh, quel shoot du All-Star. Le Dakar qui a besoin de sa star. Le coquin, c'est dur ça. Il est en déséquilibre complet au-dessus de Ndiaye. Ouais, et puis il y avait Ndiaye qui était... Taylor, on va voir si le meneur continue. Oh, là, il est en train de chauffer le poignet. Il est en train sacrément de chauffer le poignet. Brandon Taylor, nouveau tir extérieur. Et on est passé sous les 10 points. On est passé à 9 points. Fofana, pardon, qui réussit la transmission. Et Reed, toujours là à l'arrivée. Il trouve un tir. Il n'y a rien de difficile pour Brandon Jefferson. Rien du tout. Un des meilleurs shooters qui est très très loin. Distance NBA plus. Hein. Dédicace à George Eddy qui aurait dit Coronet time. Troisième plus prolifique. Abadi Ndiaye. C'est un poster sur Endoy. Une line-up. Aïe aïe aïe. Bibis la vitesse. Surtout le décalage. Onyangé à 3 points. De nouveau. Et il fait le tour sur lui-même. Passe lobé dont je vous parlais. Abdou Endoy, ça a coulissé, il était parfaitement servi. Kenny Kadji qui se rachète de son tir extérieur manqué. Kadji face à Shikoko, le duel remporté par le défenseur avant. Le petit tip-in signé Endoy. Endoy qui se rapproche du cercle pour Reed. Oh, c'est un panier tout facile, tout cuit pour passer son record de la saison. 29 points pour le Marquis. Brandon Jefferson qui fait confiance à son drive main droite énorme. Énorme mouvement. On va la petite passe à terre. Shikoko. À une seconde tête de la fin de la possession. En deux temps, il évite le contre. Jefferson. Onyangé pour tuer le match. C'est bon.
un dernier tir pour Tyler Stone au buzzer et il n'en sera rien. Le score 90 à 95. Le succès pour Paula Cortez qui bat à l'extérieur Gravelines Dunkerque et surtout qui se relance dans ses déplacements.